Allez, bonjour à tous les amis, c'est Titi Retrek. Aujourd'hui on se retrouve sur Retrek Simulator de Multiplayer. Alors, il y a juste de la review. Oh putain, ça commence bien. Ouh là là là, faut te dire. Allez, on se retrouve pour l'épisode numéro 90. Allez, c'est parti. Rouge, dis donc, dis qu'est vert. Bon allez, on se retrouve sur l'outil de la thèse 2. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je vais essayer de monter le micro pour qu'on m'entende bien. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite cargaison bien tranquille, tout seul. Et donc je suis en solo. Je suis un multi, mais je suis un solo. C'est simple. Donc en fait je suis sur un multi, mais je suis tout seul. Voilà, il n'y a pas personne qui m'accompagne. D'ailleurs je suis tout seul à lui, je crois. Oui, je suis tout seul. Oui, parce que je suis sur le free roam, donc j'ai pas envie d'aller sur le lieu. Voilà. Je vais changer un petit peu le serveur. Et comme dans le convoi abonné, que vous verrez juste après cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche, oui le dimanche, que vous verrez donc demain, le convoi abonné que vous verrez demain, on était sur le UM, parce qu'il y a eu un invité, donc en bas, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, je vais vous expliquer précisément ce qui va se passer à le convoi, mais je vais pas tout vous dire, parce qu'en fait je tourne cette vidéo après le convoi, mais vous le verrez avant le convoi. Donc voilà, en fait, voilà, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, patate. Alors, déjà, le week-end où je prends cette vidéo, j'ai fait 7 vidéos dans le week-end. J'ai pris un bon pied d'avance, on va dire. Je m'en fous, y a personne. Hein. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, oui, donc, Nico, donc, il y a eu le convoi abonné. Donc, ça s'est super bien passé. Il y avait pas mal de youtubeurs. Donc je les en remercie infiniment encore une fois. Ah, s'il y a quelqu'un. Oh putain. J'ai touché. D'accord. Je suis une grosse merde, je sais. Chut, il faut pas le dire. Bon allez. Donc oui, donc il y avait le convoi youtubeur. Donc j'étais super content. Donc merci à tous qui sont venus. Et donc oui, donc je devais faire un chemin free roam, mais là sur ce serveur. Mais tout simplement, et bien, ils n'ont pas vu. Parce qu'en fait ils vont préparer une surprise, c'est qu'en fait donc ils vont une surprise bon les types, j'étais étonné parce que je pensais que bon j'avais pas demandé à une personne d'être venue, donc il y avait L7FOX qui était au courant, mais je ne savais pas que Microsoft venait. Et en fait derrière mon dos ils ont évité Microsoft et il a accepté et il est venu. Alors ça c'était bien étonné parce qu'après il n'avait jamais mes convois, il a c'est la première fois qu'il était venu. Non c'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'on l'avait moi, mais des fois il m'invite aussi à ses convois, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'étais étonné qu'ils viennent, donc je le remercie. Je remercie tout le monde qui ont bien se foutu de ma gueule derrière mon dos. Bon bref, très belle plaisanterie, je les remercie tous encore une fois. Voilà, donc on a fait une belle, on a fait un bon trajet, donc je vais pas tout vous dire non plus, je vais pas vous dire dans le détail, parce que sinon, voilà. non bref, voilà, donc vous savez un petit peu ce que j'ai fait quoi. Donc voilà, on a fait un bon convoi, on a tous bien roulé. On est allé sur, donc du coup, puisqu'il y avait Microsoft, du coup, eh bien, je ne savais pas, mais du coup, ils m'ont forcé à aller sur le E1. C'est bonne de la forêt. Non, c'est pas bien grave. Et sur le E1, en fait, compte, bon, j'ai failli me... Alors, il y en a un qui m'a reporté, parce qu'apparemment, je m'arrête au bord de la route, je m'étais arrêté à faire du coup, ou quoi. Il m'avait reporté. Le problème c'est qu'il a reporté dans le chat et pas sur le chat des amis. Donc du coup, il s'est croûté et du coup il s'est loupé et du coup j'ai pas été reporté. Donc du coup je n'ai pas été reporté. Donc du coup tout va bien. Oh, ça a été refait tout ça.
Donc vous pouvez remarquer que mon jeu, bon, il freeze, mais sinon, il freeze pas, il est super fluide. Donc ça, je suis content. Voilà, donc j'ai pas été reporté, donc j'ai pas été cliqué, rien que je vois, aucun du convoi n'a été cliqué. Ça s'est super bien passé, je suis super content sur le UM, donc ça. Parce que moi je craignais qu'en fait il y avait des crashs de partout. Et en fait quand je me suis bien trompé. Parce qu'en fait il n'y a pas eu de crash, il n'y a rien eu, que dalle. Donc ce qui est super content. Bon par contre les amis quand vous regarderez cette vidéo, prenez de quoi boire ou de quoi manger parce qu'elle dure longtemps. Elle dure 1h30 à peu près. Voilà, dire d'aller 1h30. Donc le temps de montage, il est pour 4-5 heures. C'est tout à fait génial. Mais bon, ça, je me ferai de nuit. C'est pas mon problème. Après, c'est pas votre problème. C'est à moi de gérer tout ça. C'est à moi de gérer tous ces problèmes de montage et tout. Et c'est comme ça. Et si on a décidé de faire YouTube, alors si on a envie de faire YouTube, il faut prendre en compte aussi le temps de montage des vidéos, le temps de filmer et tout. Voilà. C'est bien YouTube, mais c'est pas bien. Pourquoi c'est bien? Parce que voilà, on arrive à se faire connaître. On peut voir des nouvelles personnes sur le multi, etc, etc. Voilà, on peut voir pas mal de personnes. C'est bien, c'est plutôt bien. Moi, je suis content parce que j'ai réussi à connaître Galax, à connaître LZ Fox, Kevel, Nikosov, LCM23, Texas22, etc. Voilà, je vais pas tout les dire parce que sinon j'en ai pour toute la nuit. Donc voilà, j'ai connu pas mal de personnes, donc c'est super. Mais ce qui va bien, c'est le temps de montage. Voilà. Donc après, il y a le temps de montage. Après, il faut faire les montages vidéo. Il faut mettre les bandes de pistes vidéo avec les intros. Il faut les coller avec les intros et tout. Et ça, ça prend du temps. Voilà. Et les montages, parce qu'après le PC, on peut pas trop l'utiliser parce que moi le mien, parce que je le fais pas avec mon nouveau PC, mais avec l'ancien PC. Donc du coup, c'est te dire qu'en fait l'ancien PC, il est un petit peu vieux, donc il a du mal. Il fait le montage, mais bon, il a un peu plus de temps, quoi. C'est tout. Donc le problème c'est que voilà, ça prend du temps et puis voilà. Donc c'est très long hein. Et après la mise en ligne aussi, alors ça dépend de votre connexion. Alors moi perso la connexion j'ai 0,90 en upload, donc ça va, ça suffit. Les vidéos elles se mettent à 3/4 d'heure, une vidéo d'une demi-heure elle se met en 1/4 d'heure, tout comme ça. Oui voilà, à 720p je précise, je fais pas du 1080 parce que 1080 c'est trop. Voilà, pour moi pour l'instant c'est trop. De toute façon j'utilise le seul montage qui est limité à 720 et qui fait le montage rapide à 720p. Donc du coup c'est pour ça que... Ah vous voyez, on n'est pas tout seul sur ce freeroom. Hein. Ce freeroom c'est bien parce qu'il n'y a pas d'admin, donc du coup si on lag, on se rentre dedans, c'est pas un problème. Sur ce freeroom je suis tranquille. Voilà. Je peux le dire, sur quoi abonner, j'étais pas tranquille, j'avais peur quand je frisais. Quand je frisais j'avais vraiment peur. Donc quelqu'un me rentre dedans, tout comme ça, je surveillais tout le temps les arrières. Que là je serais rien du tout parce que je m'en fous parce que c'est le freeroom, donc on peut tout le monde rentrer dedans, personne ne peut se cliquer, personne peut, on peut pas se faire ban sur ce serveur. Si on est tout le temps sur ce serveur on peut pas se faire ban, donc au moins comme ça on est tranquille au pépère. Bref, je suis à 130, c'est tout à fait normal. Et oui du coup il n'y a pas les limitations à 90 aussi, donc du coup on peut rouler à fond, c'est bien, on peut accélérer. Donc bref voilà quoi, donc c'était super bien, voilà, on s'est bien amusé. J'ai été super content de tout ce monde, donc voilà. Donc tout le monde m'a aussi un petit peu, donc je me suis fait un petit peu, voilà. Donc je vais parler aussi un petit peu de mon coup de blues de la dernière fois. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos et qui suivent ma page, pour ceux qui suivent ma page Facebook, vous avez pu remarquer que la semaine dernière, j'avais un petit coup de blues, on va dire. Voilà, que j'étais à deux doigts d'arrêter la chaîne. Parce qu'il y en a plein, alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est que le vendredi, il y en a plein qui se met à m'insulter ou que ce soit. Enfin, pas à m'insulter, mais à se foutre de ma gueule. Et à dire... Le problème, c'est que, en fait, je répondais pas, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas arrêté pendant toute la journée. Et à force de voir les messages, parce que le problème, c'est qu'après, ça spam même ma boîte Facebook, donc du coup, j'ai dû regarder, j'ai été obligé. Et à force, et bien, ça sacle le moral, quoi, voilà. J'ai été déçu de truc quoi. Mais bon. Voilà, donc c'était un petit truc. Et du coup. Donc je remercie tous ceux aussi qui ont été. Donc c'est une vidéo un petit peu remerciement quoi, de moi. Pour remercier tout le truc. Voilà. Non pour dire que voilà, donc je remercie toutes les personnes qui ont interagi aux commentaires qu'il y avait. Pour dire que si je devais fermer ma chaîne ou pas.
J'ai tous des commentaires, tous les commentaires ont été hyper positifs. Tout le monde a dit non, ferme pas ta chaîne, continue. Tu es super, tes vidéos sont super, même si ça bug ou le truc, hein, ça, on s'en fout, c'est super. C'est super génial. Donc je les remercie parce que sans eux, je vous dis franchement, j'aurais pas, je ne pense pas avoir, je ne pense pas que j'aurais continué. Je vous dis franchement. Mais là, vu qu'ils m'ont bien aidé, je les remercie infiniment, quoi, parce que voilà quoi. C'est grâce à eux que je suis encore là, quoi. Et là, j'ai décidé vraiment de me battre et me battre. continuer à faire des vidéos, à faire de bon, à faire du gameplay, même si ça bug. Moi ça me plaît. Voilà, je vous le dis, ça me plaît franchement de faire des vidéos avec vous, de faire des vidéos pour vous, de faire des vidéos avec vous. Voilà, donc avec The Tanguy par exemple, le nouveau qui vient d'arriver. The Tanguy qui est très très cool, hein. Alors The Tanguy, hein, qui vous le verrez souvent, donc vous le verrez dans le convoi, vous le verrez un petit peu souvent parce qu'en fait il a tous les jeux que j'ai besoin. Et comme il est plus souvent disponible, voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre personne parce que je voulais parler tout seul. Voilà, je voulais pas faire des trucs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir tout seul. J'ai averti personne que je partais, voilà, parce que sinon il faut pas. Voilà, aussi ce qui rentre dans le métier youtubeur, j'ai l'oublié. Donc je reviens au truc du youtubeur. Pour le truc de youtubeur, il y a aussi la planification des vidéos. C'est-à-dire quand il faut tourner en multi, quand on tourne en solo, on tourne comme on veut, donc on s'en branle un peu. Mais quand on tourne en multi, il faut planifier. C'est-à-dire qu'en fait il faut prévoir à l'avance. Donc en fait il faut dire tel jour, à telle heure, à tel endroit. Enfin ça dépend du jeu, si c'est un multi, à tel endroit, voilà. Sinon si c'est Farming Simulator, voilà, sur tel serveur et tout. Voilà, il faut toujours le dire. Voilà, donc c'est pas facile du tout, quoi. Et voilà, il faut planifier tout ce bordel. Et après il faut que l'autre il arrive à se connecter, qu'on soit à côté, qu'on ait préparé les cargaisons par exemple pour ETS2 pour préparer les cargaisons, qu'on ait préparé les véhicules pour FS15, etc. Donc vous voyez, c'est pas facile du tout la méthode youtubeur, hein. C'est super fatigant, quoi. C'est un truc à vous fatiguer, mais rapidement. Donc c'est pas ça. Il faut savoir faire la différence entre vie virtuelle et vie YouTube. Vie virtuelle. Vie réelle et vie virtuelle, voilà. Il faut pas tout le temps rester tout le temps sur le PC, tout le temps sur le PC. Parce que sinon, c'est bien d'être YouTubeur, mais moi, perso, c'est pas que je suis YouTubeur que je suis 24h/24 sur le PC, non pas du tout. La preuve, je bosse à côté, voilà. Si on fait youtubeur, c'est juste sur notre train libre, parce qu'il y en a, c'est parce qu'on n'est pas youtubeur, grand youtubeur. Regardez, j'ai presque 300 abonnés, donc si vous pouvez vous abonner, si vous avez des personnes qui veulent vous abonner, si j'arrive à 300 abonnés, avant Noël, ça sera génial. Voilà, je ferai un grand convoi Noël, j'ai déjà dit, pour le convoi abonné. Je fais n'importe quoi là. Et hop, on va reculer. Donc vous voyez quoi, hein. Alors, attendez, je recule un petit peu. Je me gare comme un pied. Comme un pied caveux, quoi. Un pied baveux. Bon, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Bref, j'arrive pas à me garer, c'est quoi ce bordel? Attendez. Voilà. Tolérable. Comment ça tolérable? Mais j'ai pas fait d'action. J'ai la porte, hein. Wow, 300 XP, 18% de dégâts. Faut dire aussi que j'allais pas mourir, ouais. Allez, on va faire l'aller-retour. Alors si on a un cargaison de retour, ce serait génial. Au pire, j'en prends une. Je pense que c'est pas un problème. Alors, Budapest.
Bon écoutez, hein, autant qu'il va prendre une cargaison au hasard. Je crois que ça a bugué. bref. Voilà, ben on va prendre ça. On va prendre ça. Ce truc là, ouais, on va pas le dire. Oh, bref, voilà. Non, bref, voilà, quoi, vous m'avez compris, quoi, hein. Vous m'avez tous compris, hein. Voilà, donc, voilà. Donc, le métier de youtubeur, c'est pas très facile. Je vous dis franchement. Il faut faire la différence entre... Voilà, il faut pas tout le temps rester sur le PC, parce que... le PC, c'est bien. Et trop de PC, mais ça vous détruit les neurones et compagnie. Enfin, ça vous détruit les neurones. Là, je me suis trompé de route, hein, d'accord. Je vais faire le dépôt. Le PC, en fait, si vous faites trop de PC, si vous restez trop devant un écran, après, ça vous bousille le cerveau. Ça vous bousille les yeux. C'est pour ça. Bon, moi, je porte pas encore les lunettes, encore, parce que je suis souvent sur le PC. Wow! Mon dodio! Je vais te calmer, oui! Bordel! Bref. Voilà. Donc, vous m'avez un petit peu compris, hein. Donc voilà, donc il faut pas tout le temps rester sur le PC, voilà. Alors je mets en garde certains qui veulent commencer à être youtubeurs et qui veulent rester tout le temps sur le PC, je les mets en garde. C'est pas que moi j'ai eu des mauvaises expériences, pas du tout, mais voilà quoi, j'ai pas envie que vous vous détériorez, j'ai pas envie que vous bousillez votre vie parce que je connais des personnes, bon je connais des personnes, bon pas ceux que je connais là, mais je connais une personne sur YouTube, donc il est plus sur YouTube, hein, parce qu'il a arrêté, parce qu'il était vraiment pas bien. Et en fait, il a bousillé sa vie à cause de ça. Voilà. Parce qu'il était tout le temps dessus, et du coup, sa vie réelle, il est passé complètement à côté. Il travaillait plus, il bossait plus à l'école, etc. Voilà, quoi. Bon, moi, je suis pas du genre là, moi, je bosse encore, voilà, quoi. Bon, même si j'ai des mauvaises notes, mais ça, je peux pas le dire. Ça, c'est juste que des fois, j'ai la peine d'étudier. Mais bon, c'est pas très, c'est pas bon du tout. Mais bon, je me rattrape, il n'y a pas de souci. Donc voilà, quoi. Ouais, voilà, il faut faire du, voilà, on peut faire du PC, mais il faut pas trop en faire, quoi. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, si le sort de mise en garde, je vous mets en garde. Après, si vous voulez pas le faire, après, si vous voulez pas écouter, libre à vous, mais après, voilà quoi. Alors peut-être que vous n'aurez pas de soucis, tant mieux pour vous. Mais après, voilà quoi. Donc, Bratislava. Donc du coup, il faut que je prenne, alors. Donc, je prends de l'autre côté. Mais attention, après, normalement, il y aura le trajet. Ok, on s'arrêtera, on regardera le GPS. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours... Ah mais oui, j'ai oublié qu'il y a la caméra dessus. Oh putain... Ah, j'avais plus utilisé pour le convoi. Non. Ah, c'est vrai, j'oublie chaque fois cette caméra. C'est un truc pour moi, what the fuck. Bon, bref. Voilà, donc, vous m'avez un petit peu compris, hein. Voilà. Donc, du coup... non, pas encore. Donc, du coup... Oh, là, je l'ai mon gaufrière. Donc, voilà. Donc, pour la chaîne, je vais parler un petit peu de la chaîne maintenant. Je vais arrêter de parler du YouTube. La vie sur... je vais arrêter de parler de la vie sur YouTube. Parce que je vais dire encore un dernier truc. C'est que si la vie sur YouTube est très difficile pour se faire connaître sur YouTube, surtout en étant YouTubeur de simu, surtout en faisant des vidéos de simu. On s'en soucoupe aussi. Surtout en faisant de YouTube spécial simu. Je vous jure que c'est vraiment compliqué. Même moi j'ai galéré, hein. Regardez, je galère, hein. J'ai du mal, j'essaye de faire des vidéos de bonne qualité. Bon, déjà le matin c'est pas tout à fait là, mais ça, je peux pas grand faire les choses. On n'a pas tous les moyens, voilà. On peut pas dire, je peux pas faire autrement. On n'a pas tous les moyens de s'acheter du bon matos. Ça, je le comprends tout à fait. Il y en a qui ont les moyens, qui ont tout ce qu'ils veulent, ils ont tous les moyens, et tout, bon PC, des serveurs TS et compagnie. Voilà, je leur dis, ben tant mieux pour eux. Moi qui ai pas de serveur TS, qui est pas je suis pas dans la mouise, je dis pas ça, mais bon voilà, j'ai pas le PC, voilà, j'ai pas le PC Alienware dernier cri, voilà, comme Kavel par exemple, etc., comme ça, le PC dernier cri, montre ça, comme le dernier cri compagnie, ça pff, non, je n'ai pas. Bon, c'est vrai, en un mot ça me fait chier, mais en un mot, voilà, ça prouve qu'il faut, voilà, et un mot, ça me fait chier, mais aussi ça apprend à bidouiller pour essayer de moins se bugger. Voilà, on bidouille dans les jeux, et
Bon moi je dis pas que je suis un expert bidouillage, mais mais bon voilà quoi. Voilà, ça sert à rien d'avoir du bon PC. Voilà, ce qu'il faut c'est d'avoir du bon commentaire. Moi perso, pour être clair, les vidéos, sauf quand je suis en multi, mais quand je suis en solo, les vidéos ça sert. Si je suis en solo par exemple, là je suis tout seul, les vidéos elles servent en arrière-plan. Les vidéos elles servent surtout en arrière-plan. C'est-à-dire qu'en fait le commentary est là. Mais bon, comme j'ai un problème de micro, c'est surtout les vidéos qui font le tout. Mais bon. Bon, maintenant j'essaie de régler le problème. Hein. J'essaie de résoudre le problème. J'augmente les sons. Mais je booste le micro. Il faut encore que je booste encore un peu plus. Voilà, c'est pas un souci, je le ferai. Mais voilà. Mais ça, je m'excuse pour tous les problèmes que j'ai de micro. Ouais, c'est là-dedans, je sais pas. Je sais pas si c'est là. Oh putain, ça y est, ça commence. Dégâts 23%. Oh putain. J'ai pas mal de dégâts, moi. Bon, moi, je suis un expert en dégâts, moi, donc aussi. Donc voilà, vous m'avez tous compris. Hein. Donc oui, donc voilà. Donc après si vous voulez, voilà, donc ça sert à rien d'avoir du bon matos et tout. L'essentiel c'est d'avoir du bon commentary. Pour moi, c'est d'avoir de bonnes vidéos et de bonnes commentary. D'avoir du bon gameplay. Et la bonne commentary. Pour moi le gameplay, c'est pas tout à fait ça encore. Mais voilà, plus j'ai voulu entendre sur YouTube, plus je m'améliore. En fait, le problème c'est que c'est pas que vous êtes nuls, mais j'ai pas souvent de commentaires et je suis un petit peu triste parce qu'en fait j'aimerais avoir des commentaires. Voilà, j'aimerais avoir des commentaires, bonnes vidéos, etc. Je vous oblige pas à marquer, pas du tout. Mais si vous voulez en marquer un, voilà, au passage, n'hésitez surtout pas, quoi, voilà. Vous pouvez marquer des commentaires. Moi ça me plairait vachement d'avoir des commentaires comme ça. Oh putain, oula. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, oh oh oh, j'ai chaud là. Voilà, donc si vous pouvez me dire, ouais, essaye de voilà, après sur le multi, sur par exemple sur farming, essayez, est-ce que tu peux couper du bois, etc. Voilà, vous pouvez me donner des idées de vidéos, des idées pendant les vidéos. Voilà, ça sera super quoi. Voilà, j'aimerais bien que les abonnés interagissent. C'est tout ce que je voudrais. Putain, c'est pas possible. Bratislava. Putain. Ouah. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu quand on a rien encore? Ah ouais, d'accord, je me suis bien planté, mais... Y'a personne. Non, ça va, heureusement. On va essayer de se lever. C'est bon. Allez, on repart. Bon, on n'a rien vu, hein. Bon, bref, voilà. Donc voilà, si vous avez des idées de sujets. Donc vous avez vu aussi que j'ai commencé on va parler un petit peu la chaîne maintenant. On va changer un petit peu. Alors c'est la première fois que je parlerai. C'est la première fois que je parle autant. D'accord, c'est la première fois que je parle autant. c'est que de ma zarbi. Je sais pas, j'avais envie de parler, donc du coup voilà. Nya nya nya. Donc du coup voilà, donc j'ai parlé un petit peu la chaîne. Donc ce qu'il va y avoir, donc maintenant il y a du. Donc Need for Speed. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui suivent ou pas, mais pour l'instant je compte l'arrêter un petit peu. Je compte arrêter un petit peu Need for Speed. Voilà, donc je l'arrête. Et à la place, je remplace par TDU2. C'est-à-dire Test Drive Unlimited 2. Donc c'est vachement mieux. Moi je me plais vachement mieux. C'est pas que j'ai moins de bugs. J'ai un petit peu moins de bugs déjà, premièrement. Et secondement, je m'éclate mieux parce que je. Voilà. Donc Galaxy avait déjà commencé. Il n'a pas dit que j'allais reprendre, moi je recommence aussi. Mais à ma manière. C'est-à-dire que voilà, je me fais. What Ouh, il y a eu un long freeze là. Oh putain. Voilà.
Donc après voilà, je m'amuse comme je veux. Oh, j'ai pas vu, salut. C'était qui? Ah oui, il y avait quelqu'un. Alors vous voyez, il est pas si mort que ça, ce petit roman. Il y a du monde, hein. Donc voilà, hein. Donc c'est pour tout vous dire quoi, hein, voilà. Donc ça m'a plu. Donc ça me plaît de faire des vidéos. Donc voilà. Donc il y a du TDU2 de maintenant le mercredi. Donc après il y a du TDU2, après aussi du Need for Speed, etc. Non, du TDU2. Non, continue. Là, c'est pour très tête. C'est ça, hein. Je crois que je suis en train de faire une grosse connerie. On va s'arrêter sur le bas-côté. Oh putain, qu'est-ce que tu viens de foutre? Wow! Voilà, hop, stop! Hop, la carte, s'il vous plaît. D'accord, mon PC a comme un bugué. Tout à fait... Ah non, c'est bon. Alors, excusez-moi pour les reprises, hein. Je sais ce que mon PC est en train de faire, il doit faire une sauvegarde Windows. Tout le bordel, donc du coup, ça doit bugger. Non, il faut continuer, c'est la prochaine sortie. Ok, mais nickel. Eh bien, on continue. Allez, go. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc, ouais, bon, bref, voilà, hein. Donc vous avez pu remarquer aussi que je buguais un peu moins et que j'étais vachement plus fit. J'étais vachement plus fluide et ça je suis super content parce que bon ça a été dur et bon je suis pas fluide, je suis fluide mais le problème c'est que voilà j'ai encore des crises, encore ça. Allez on va essayer de faire avec, on va essayer de passer à côté. Allez, on va essayer de passer à côté tout simplement et puis voilà hein. Ce que vous voulez que je vous dise hein. On peut pas faire autrement, c'est ça ou c'est ça ou c'est pas ça, mais non c'est ça ou c'est pas ça. Je vais me coucher. Ah oui, on était juste passé là. On était passé là, tu sais. Coucou, salut, allez. Bossez, bossez, bossez. On était juste passé là aussi au début de la vidéo. C'est vrai, j'ai oublié. Ouh, j'ai un problème de cerveau. Là. Allez, on va vite arriver. Donc voilà, donc... voilà, c'est bien. Je m'amuse bien sur ce YouTube. Donc franchement, sur YouTube, hein, pour l'instant, c'est que du bonheur. Enfin, c'est que du bonheur. Non, c'est pas que du bonheur du tout. Voilà, donc c'est très dur de faire sa place sur YouTube, hein. Je vous le dis franchement, c'est très très dur. C'est vachement dur même. Pour vous dire, putain, c'est tout, c'est vachement dur. C'est le truc le plus dur de toute la galaxie, quoi. Voilà, il faut se faire connaître, il faut savoir faire des vidéos, il faut, voilà. À force d'en faire, vous y arriverez, vous inquiétez pas. Mais bon, après, voilà. Après, si vous voulez vous lancer sur YouTube, libre à vous, mais après... Voilà, après il faut assumer des conséquences, c'est-à-dire après il faut savoir se faire connaître. Donc, c'est pour ça que je joue à la galaxie, j'essaye de faire un petit peu connaître. Mais c'est pas facile. Hein. Voilà, parce que le but sur YouTube, c'est tous le même but, c'est de se faire connaître. Voilà. De se faire connaître. Bon Galaxy, oui. Je sais pas, mais je crois qu'il monétise ses vidéos. Ben, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis pas du genre là. Il y a plusieurs qui monétisent pas ces vidéos. C'est tant mieux. Parce que si on monétise pas nos vidéos, en fait, on les monétise pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé. Parce qu'on fait juste pour le plaisir, c'est tout. Oui, c'est là. Là, on arrive, ça y est. Donc voilà. Donc après, pour le programme de la chaîne, hein, donc le mercredi, ce sera du TDU2. Après le samedi, après le samedi et dimanche, ça varie. Le jeudi, il y aura du Eurotruck. C'est sûr. Le parmi pardon. Après vous verrez dans le toute façon, j'ai pas besoin de trop vous dire, vous verrez pas vous-même quoi. Hein. Ah il y a du monde ou quoi? Ah oui il y a deux personnes. Ah oui je reviens juste après il y a du monde. Bref.
Allez. Bon, on arrive à Bratislava. Là, là où je vais m'arrêter pendant toute la semaine. Voilà. Pendant toute la semaine, où, parce que je tourne le dimanche soir. Et puis voilà. Allez hop. Alors je m'arrête à tout rouge, la vidéo couffe, c'est tout à fait normal. Bon bref, oui mais ça arrive, c'est à cause du PC tout simplement parce que voilà, il fait des trucs, j'ai pas le choix, hein. Voilà. Bon c'est pas grave, de toute façon on arrive à la fin de cette vidéo donc c'est pas un problème. Je m'en branle un petit peu on va dire. Ouais je m'en fous un petit peu. Donc on va les livrer on va les abandonner cette cette cargaison et ah non on va aller aussi se faire réparer ça c'est une bonne idée ça Nikitos ah ouais c'est l'entreprise en fait parce que c'est une nouvelle femme. Allez hop Hunter. Je pense que vous avez bien dû rigoler, je pense que vous allez rigoler dans le convoi parce que vous verrez ma tête, vous allez vous dire, ah oui, il faut rigoler. Et vous rigolerez. Parce que la connerie monime, le truc le plus pourri que j'ai fait au monde, donc je vais pas vous le dire, vous le verrez bien par vous-même. C'est vous qui le verrez. Voilà, vous verrez ce que j'ai fait dans le convoi parce que ça sera en fait ce qu'on taille, bien sûr. Alors sur TDU2, donc j'ai mis la webcam mais différemment, vous le verrez comment j'ai fait. Ouais, vous le verrez très bien. On va annuler la cargaison. Voilà. Hop. Voilà, on annule la cargaison. Vous êtes à la marche pas pour prendre le marché ou pas marché. On s'en fout. Allez, go, c'est parti. Allez, hop, on regarde. Non. Donc voilà, et donc on va s'arrêter là, on se garer dans le garage, tranquille de père. En fait, on va améliorer le garage, tout simplement. Hop là. Hop. Non, j'ai pas appuyé. Améliorer. Voilà, là maintenant on va replier. Voilà, on va se mettre là, on va faire le plan pour la prochaine mission. Voilà, on va faire le petit peu, on va tranquille de faire. Sur deux vidéos, on aura demi-heure, hein. Donc c'est pas plutôt mal, c'est très bien passé. Voilà, donc j'allais dire un petit peu ce que je voulais dire. C'était un petit peu un vrac, donc je m'excuse parce que je suis pas du tout j'ai un planificateur ou quoi que ce soit. Voilà, vous devez vous en douter. Voilà. Maintenant, on va se garer tranquillement. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Pour aujourd'hui plutôt, merde. Je sais pas quand moi. Hop là. J'attends que la porte se ferme derrière. Voilà, les deux portes sont fermées, on va aller. Donc on est toujours à dire qu'elle est au milieu. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc merci à tous de regarder cette vidéo. Je vous en être reconnaissant. Et prévu qu'on arrive à 300 abonnés, ce serait génial. Allez, merci à tous. Et à la prochaine sur un nouveau convoi multi. Ou sur une autre vidéo. Allez. Salut à tous.